This video is brought to you by G2A.com. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Xerix. C'est un logiciel de capture d'écran qui est très très pratique. Il est très intuitif et il aide pas mal. Comment ? Je vais vous présenter les options qu'il a. Et comment le configurer correctement. Donc pour le télécharger, vous cliquez sur download, et si vous voulez télécharger les versions précédentes, vous allez dans l'onglet download en haut. Moi je télécharge la dernière version, hop, download, voilà, Xerix, enregistrer le fichier, voilà, il est juste là. Donc je ferme ça et j'ouvre mon explorateur de fichiers qui s'ouvre de l'autre côté bien sûr. Ensuite, téléchargement. Et normalement, vous avez Xerix. Si je le trouve, ça commence par S. Ici. Donc vous avez Xerix. Vous double-cliquez dessus. Voilà. Oui. Donc je pense pas que vous l'ayez vu. Hop. I accept the agreement. Next. Vous y installez dans le fichier que vous voulez. Create a description shortcut, donc ça va créer un raccourci sur le bureau, moi je ne le crée pas. Show upload with Xerix button in Windows Explorer context menu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Create a send to shortcut, oui. Run Xerix Windows Start. Donc ça c'est si vous voulez que Xerix se lance quand Windows se lance. Donc moi oui je laisse. Next. S'installe le logiciel. Et voilà, le logiciel est installé. Bon, j'ai pas créé d'icônes sur le bureau. Donc vous laissez cocher Launch Xerix si vous voulez qu'il se lance juste après l'installation, juste après avoir cliqué sur Finish. Moi, je laisse cocher Finish. Et là, normalement, il est censé s'ouvrir. Voilà. Il s'est ouvert juste là. Hop, il est arrivé ici. Voilà. Donc ça, c'est des captures d'écran que j'avais déjà prises. Parce que j'avais déjà le logiciel avant et j'ai juste désinstallé pour le tuto. Donc vous pouvez capturer en plein écran, donc un écran entier. Donc moi comme j'ai deux écrans, ben, quand vous faites capturer plein écran, ça capture les deux écrans en même temps. Si vous en avez trois, ça capture les trois en même temps. Ensuite fenêtre, là ça capture les fenêtres que vous avez d'ouvertes sur votre PC. Ensuite écran, là vous pouvez sélectionner l'écran vous pouvez sélectionner l'écran à capturer. Par exemple, moi j'ai deux écrans, j'ai un écran 1600x900, donc c'est mon deuxième écran, et j'ai un autre écran 1920x1080, donc cet écran, c'est celui que je suis en train de record, c'est mon plus grand écran. Voilà. Après région, vous pouvez capturer une région que vous sélectionnerez. Ensuite région simple, je me souviens plus ce que c'est. Région transparent, je me souviens plus ce que c'est non plus. Dernière région, bon ça c'est la dernière région capturée. Ensuite enregistrement d'écran, ça je sais plus ce que c'est. Je sais pas du tout. Enregistrement d'écran en GIF, capture en défilement, voilà. Il y a tout plein de trucs. Après, il y a de la mise en ligne. Il y a une mise en ligne automatique sur image.ur, du moins i.imager.com, pardon. Et ça vous crée un lien automatiquement. Donc, vous pouvez
mettre en ligne un fichier. Donc il y a la mise en ligne, vous pouvez mettre en ligne par exemple un fichier de votre ordinateur, un dossier. On peut mettre en ligne depuis le presse-papier, depuis une URL, ou faire un glisser-déposer. Ensuite, le workflow, je sais plus ce que c'est. Outils, donc ça c'est pour de la modification d'image, un tweet d'image, etc. Ensuite, tâches, ça bah, je ne vais pas vous présenter. Destination, ça c'est assez cool. Les images, vous pouvez changer la destination, moi je laisse sur Imgur. Les textes, moi je laisse sur Pastebin. Les fichiers Dropbox sur Dropbox. Les raccourcis URL, moi je vais mettre sur AdFly. Ensuite, les partages, moi je laisse sur Twitter parce que je j'ai pas d'autres réseaux, j'ai pas envie d'y mettre sur d'autres réseaux sociaux. Et paramètres de destination, donc ça, c'est pour configurer sur quel compte AdFly par exemple. Vous voulez qu'il soit envoyé sur quel compte Mega, sur quel compte Mediafire, etc. Voilà, donc mon compte AdFly, ça sera flouté, et ça aussi. Donc mon compte AdFly, il est déjà configuré parce que j'avais déjà le logiciel avant sur mon PC. Hop. Donc voilà, vous mettrez la clé API. Si vous savez pas où c'est, vous cliquez ici, ça vous enverra direct sur le lien AdFly. Du moins sur votre compte AdFly. Hop, vous fermez. Là, vous pouvez faire un don, etc., etc. Donc, la capture est assez intuitive. Plein écran. Voilà, c'est en train de me capturer les deux écrans. Hop, voilà. Vous avez entendu le petit son. Voilà. Donc là, il y a mes deux écrans qui ont été capturés. Et ça a direct été mis en ligne. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes deux écrans qui ont été capturés. Voilà, vous pouvez les voir. C'est plutôt. Voilà. Ça s'est fait tranquillement. Fenêtre, par exemple, je vais enregistrer cette fenêtre-là. Hop. Et ça enregistrer la fenêtre chez Rix. Ensuite, écran, je vais enregistrer cet écran-là. Hop, là, c'est en train de mettre en ligne. Voilà, la mise en ligne a été faite. Attendez, c'est en train de charger. En fait, j'ai enregistré l'écran, ça lui a... Ah, voilà. Ça, c'est chez VX. Ça, c'est mon écran, voilà. Ensuite, région. Vous pouvez sélectionner... Ah, voilà. Vous pouvez sélectionner une région. Ou ça sélectionne aussi une fenêtre si vous le souhaitez. Voilà par exemple, là j'ai sélectionné une région de mon écran. Région, si vous cliquez sur région, par exemple vous pouvez sélectionner une fenêtre. Moi je vais prendre voilà la barre de mon truc paramètre. Voilà, ça a enregistré la barre de mon truc paramètre. Région simple. Capture automatique aussi, mais ça c'est à configurer. Donc voilà. Ce tuto était assez court. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez un like. Si vous voulez plus de tutos dans ce style-là, abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez me contacter, rejoignez mon Discord ou mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.